Julius G, l'évangéliste. Il est le libérateur. Grâce à lui, nos péchés sont pardonnés. C'est le Seigneur des Seigneurs. Son amour, il nous a donné. Donc ce soir, on va essayer de vous montrer comment fabriquer le médicament naturel à la base de gingembre, citron et l'ail contre l'antivirus. Comment vous appelez ça encore? Coronavirus. Immense. Ah mon Dieu. Contre le coronavirus. Donc, je vais montrer comment fabriquer les médicaments parce que ça c'est mondial. Regardez bien comment on fabrique un médicament qui peut sauver tout le monde. Et chacun de nous peut faire ça chez lui à la maison. Donc, j'ai là avec moi, voilà. J'ai du citron, j'ai l'ail, j'ai le gingembre, voilà. Donc je vais fabriquer le médicament contre coronavirus. Et ici, j'ai du miel, voilà. Quatre choses qui peuvent permettre à sauver les millions de personnes dans le monde, voilà. Donc, il faut avoir du citron, voilà, tu as de l'ail, tu as du gingembre, ici on a le miel. Bon, ça c'est mon cigare, hein. C'est mon cigare, donc ça n'a rien à y voir. Et il faut avoir le mixeur, bon, juste un petit mixeur pour machin. Si tu veux faire beaucoup, donc il faut avoir un gros mixeur. Te permettre de mixer ce que tu veux faire. Voilà, donc je vais faire la démonstration tout à l'heure, montrer à tout le monde comment vous pouvez sauver des vies humaines. Immense. Voilà, donc je vais vous montrer comment fabriquer les médicaments qui peuvent sauver. Sauver les gens, voilà. Ok, je vais essayer d'incliner la caméra. Des piments, te dit va l'autre côté là-bas. Bon, ta chair, tu mets ça même là au lieu de te concentrer là-bas. Voilà, donc voilà. Ça, c'est mon cigare. Yes, voilà. Suivez-moi bien. Je vais essayer de découper l'enfeuste. Je dois d'abord éplucher l'ail. Donc si je le fais avec la main, un à un, ça va me prendre du temps. Donc je cherche. Julius G, l'évangéliste. Il est le libérateur, grâce à lui nos péchés sont pardonnés. C'est le Seigneur des Seigneurs, son amour il nous a donné. Ouvrons-lui nos cœurs, il est digne des louanges et des acclamations. Bien-aimé, écoutez mon message, ceci est une révélation. Louons-le, louons-le, il est le roi des rois. Élevons, élevons, crions son nom sur tous les toits. Zambi, Zambe, Yesu, tu peux l'appeler comme tu veux. Son nom combat pour nous, il est miséricordieux. Mon frère, il s'est sacrifié pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ, ma sœur, il s'est ressuscité pour venir nous sauver. L'Nganga, ta vie n'a aucun changement. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite
les morts. Amen. Mon frère, regarde à Jésus. Jésus, son nom chasse tout mauvais sort. Je menais une vie de débauche. Son sang m'a purifié. Entendez la sonorie de la cloche. Que son nom soit glorifié. Zambi, Zambe, Yesu, tu peux l'appeler comme tu veux. Son nom combat pour nous. Il est miséricordieux. Personne ne pourra m'empêcher d'avancer. Non, non, non. Le Seigneur Jésus-Christ a brisé mes chaînes. Oui, oui. Non, personne ne pourra m'empêcher de percer. Non, non. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, amen. Est-ce que le ciel écoute les pleurs de mon cœur? Pourquoi j'ai jamais connu la paix sur terre? Des milliers de personnes meurent dans mon pays, des femmes enceintes découpées par les machettes, les hommes tués au coup de marteau, les nouveaux-nés émancelés. J'ai vu mon jeune frère recruté comme soldat, ma sœur vierge devenir une esclave sexuelle. Bon Dieu, écoute ma prière, non mes problèmes soient la solution. Je perdis tout mon courage, je verse mes larmes, je cours derrière les balles. Des fois j'ai plus aucun mal, les massacrements sous mes yeux apparaissent normal. Si j'ai vibré, si personne m'a pour ça, non, j'ai tant pis. On retire mon souffle, on les met, laissez voir les membres de la famille, nourrir de la famine. On retire mon souffle, on les guet toutes les heures de ma vie, ne passe qu'à courir. Les violences physiques, sexuelles et émotionnelles auxquelles je suis exposé me rendent le fondement de mon univers. Même si on a la vie sauve, on doit faire face à des pénuries, des nourritures chroniques. Des milliers de blessés et morts, ce sont les enfants qui font la moitié de ces victimes innocentes. Personne ne veut baisser ses armes, combien de foyers sont détruits, combien de forêts sont détruites. Bon Dieu, écoute ma prière, non mes problèmes soient la solution. Je perdis tout mon courage, je verse mes larmes, je cours derrière les balles. Des fois j'ai plus aucun mal, les massacrements sous mes yeux apparaissent normal. Si j'ai vibré, si personne m'a pour ça, non, j'ai tant pis. Retire mon souffle, on les met, laissez voir les membres de la famille, nourrir de la famine. Retire mon souffle, on les guet toutes les heures de ma vie, ne passe qu'à courir. Personne ne veut baisser ses armes. Des foyers sont détruits, des forêts sont détruites. Les femmes violées, les enfants contraints à porter des armes. Le massacre, la torture, la perte des vies humaines. Oh la guerre qui es-tu, dans quel monde nous emmerdes-tu? Pourquoi donc tu dois être, quel objectif poursuis-tu? Y a-t-il pas d'alternative? Sinon la guerre, on dit basta, la guerre, que les bons dieux nous guident. Alléluia, amen. Retire mon souffle, pour les mieux laisser voir les membres de la famille, nous vivre la famille. Retire mon souffle, on les guide toutes les heures de ma vie, ne passe qu'à courir. Retire mon souffle, on les veut laisser voir les yeux m'enterrer, vivant dans l'amour. Retire mon souffle, le cœur de l'homme a pourri, à lui l'amour me dit. Bon, écoute ma prière, dans mes problèmes soit la solution. Je perdis tout mon courage, je verse mes larmes, je cours derrière les balles. Des fois je n'ai plus aucun mal, les massacrements sous mes yeux apparaissent normal. Si je vivre si terre, c'est ma bosse, non, j'ai tant pis, retire mon souffle. Maintenant, hey, va comme on fait en dansant. Qu'est-ce qu'on fait dans la partie maintenant? Hey, va comme on fait l'excellent. Qu'est-ce qu'on fait la partie?
qualité. Je suis le professeur du tempo. Je vais pas qu'on m'emmerde. I'm so serious, serious guy. Je suis un homme d'affaires. Je vais pas qu'on m'emmerde. I'm so serious, serious guy. En affaires everyday. Les gars, s'il vous plaît, je vais battre. Ouais. Quel que soit ce qui se trouve dans la malle. C'est moi, je veux changer la partie. L'avenue, voilà, maintenant la bonne discothèque. Garde la piscine, la musique monte à la tête. Mais faut m'assembler que tout ça dans le même step. Donnez la gueule, si retrouve ta step. Ma bisou. Hey, I want you. Oh. So give me more safe. Hey, I like you. Oh. Au bout du fil, c'est la musique qu'on voit. Hey, quand c'est bien fait, y'a la monnaie chez moi. Je veux pas comment faire. Bon, je vais prendre une petite tasse. Voilà, je prends une petite tasse. Je mets un peu. Voilà, on boit un peu. Et je prends le miel. Voilà le miel. Voilà le miel. Je mets un peu de miel. Voilà. Je tourne. Voilà. Je tourne. Continue à tourner. Et bien voilà. Continue à tourner. Ça, je suis pas malade, mais je bois déjà. Pour éviter, même si je sors dehors, je croise une personne qui est malade avec ça. C'est bon là. Voilà. C'est très bon les gars. Non, là c'est nickel quoi. Ouh. Non, c'est un bon jus. Je vous assure. Je vous assure, c'est du bon jus. C'est du bon jus. C'est du bon jus. C'est ça aussi l'action de... C'est du bon jus, les frères et sœurs. C'est ça notre action, hein? L'ONG Action Culture Africaine, c'est ça aussi. Parce que notre objectif, c'est faire comprendre aux Africains que notre médecine traditionnelle est le meilleur au monde. C'est le meilleur. Donc si tu es africain, tu n'as pas obligé d'aller... C'est tellement haut. Si tu es africain, tu n'es pas obligé d'aller prendre... Hein? Tu veux goûter? Viens goûter en live. Maman de bébé va goûter en live. Donc non, si... Non, c'est très bon, hein? Tu vas me dire. Yeah, je te dis, donc je te sers un peu. Je crois que tu étais pour faire des praticiens. Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est grandir au village. Parce que nous qui avons eu la chance de grandir au village, ça c'est pour maman de bébé. Tu ne peux pas grandir au village en monde aussi. Non, mais tu es un villageois. Pardon. Moi je suis fier d'être villageois. Papa, voilà, ça c'est pour maman de bébé. Tu mets un peu de miel, elle va me dire. C'est juste un peu, hein. Voilà. Chichek. C'est quel château de femme d'abord? Ça c'est Hermine Mabila. C'est mon ami. Yamboué. J'aurais dû essayer devant les auditeurs, on te voit comment, voilà. Elle va essayer, elle va nous dire. Elle va nous donner appréciation. Non, c'est très bon, non. C'est très bon. Tu as vu, non? Non, c'est du très bon jus. Donc, je vous rappelle que le jus là, c'est ça qui m'a fait sortir le jus. Voilà. Il y a du citron, le gingembre et l'ail. Tu as mis l'eau? Non, j'ai pas. J'ai mis un peu d'eau, justement. Un peu d'eau. Voilà. Donc, ça peut sauver des vies, mes chers frères. Trop, trop bon. Voilà. Maman Bidé Bébé dit, c'est bon. C'est adorable. Prends. Ouais. Les gars, essayez chez vous. N'attendez pas d'être malade parce qu'on ne sait pas. On connaît la date à laquelle la maladie a commencé, mais on ne connaît pas quand ça va finir. Voilà. J'ai eu le jus de gingembre.
il y a du citron, il y a le gingembre et puis l'ail. Donc tu bois ça, ça c'est la prévention. Avant, n'attendez pas d'être malade pour consommer ça. Consommez bien avant ou tous les jours, après le repas ou avant le repas, tu le prends et nickel. Même si quelqu'est malade, toi tu es déjà guéri parce que ça c'est la base du naturel. Et c'est ça aussi l'action de notre ONG Action Culture Africaine. C'est ça. C'est ça. L'ail, et ça c'est du gingembre. Voilà, c'est du naturel. Gingembre. Tu as du citron. Le citron, il ne faut pas éplucher ça. Hein. Tu découpes seulement le citron comme c'est. Avec l'ail, tu enlèves toutes ces peaux là de l'ail. Et puis, il faut avoir un mixeur. Voilà, où est mon mixeur? Mon mixeur, voilà, mon mixeur est là. Voilà, mon mixeur est là. Avoir juste un petit mixeur, voilà. C'est juste un petit mixeur. Voilà, ça, ça te permet de mixer, voilà. Juste ça. Tout le monde peut le faire à la maison. En tout cas, que tu sois pauvre, que tu sois riche, c'est juste avoir du citron, avoir de l'ail et du gingembre. Tu fais ton jus tranquille, tu donnes à toute ta famille, même aux enfants. Moi, je vais donner à mes petits bébés, juste pour éviter, parce qu'ici il fait froid, pour éviter que les enfants attrapent déjà la toux, parce qu'actuellement, si tu tousses un peu, on dit que tu as le coronavirus. Donc, il faut éviter cela. Chez vous, là où vous êtes, prenez seulement ces trois choses-là. Et à la fin, le miel. Il faut avoir le miel. Voilà, à base de quatre aliments, ce que vous voyez là peut vous sauver la vie. Parce que n'attendez pas les médicaments des blancs. Nous avons tout en Afrique. Nous avons tout en Afrique. Nous, notre manière de sensibiliser les Africains par rapport à notre ONG que nous avons créé, c'est ça. Faites comprendre aux Africains que nous avons notre continent est riche en tout et pour tout. Revenons, révalorisons et il faut promouvoir tout ce qui est culture africaine. Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de médicaments de blanc pour être sauvés. Voilà. C'est juste ces trois choses-là. Et ces trois choses-là m'a permis d'avoir, voilà, au moins une petite bouteille, tranquille. Je vais prendre, mes enfants vont prendre, madame a pris déjà. Et voilà, immense, viens prendre, elle est où? Ouais, il fait chaud là, c'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile, bon. La seule chose qu'on aime bien, c'est le cigare des blancs. Bon, le cigare aussi, c'est le tabac là, ça vient de l'autre côté là-bas. Voilà, donc, c'est gratos, mes chers frères, c'est gratuit. Et voilà les œuvres de Action Culture Africaine. Les œuvres de l'ONG Action Culture Africaine. De vous faire connaître ce qui est naturel. Que tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, tu ne mourras pas grâce à nos médicaments traditionnels africains. Voilà. Bon. En tout cas, je vous ai dit, hein, je vous ai montré, j'ai fait ma part. Les blancs nous montrent la publicité, mais nous aussi, on montre
Le savoir-faire, c'est qu'on a acquis depuis l'Afrique et au village. Parce que nous qui avons eu la chance d'être avec les grands-parents au village, et voilà, à chaque fois, les grands-parents te montrent ce qu'il y a à faire. Donc, moi aussi, je vous montre comment ça se passe. Citron, gingembre, l'ail, et avoir un peu de miel, et dater, coronavirus. Bye bye. Bon, Yannick Gauthier, mon petit, fais ça pour ta famille, et tu verras bien, c'est tranquille, quoi. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je vous dis bye bye. Et voilà, parce que le monde entier, tout ce monde qui me suit, tu sois un blanc, tu sois un noir, on a tous le même sang rouge. On a du sang rouge. Autant que tu as du sang rouge, si tu prends ça, ça te guérit. Yes. Voilà. Voilà. C'est notre rôle de sensibiliser nos confrères africains. C'est notre rôle. Prochainement, je vais faire ça en anglais. Parce que pour nos frères et sœurs qui ne parlent pas l'anglais et qui ne parlent pas français, là, eux, il faut les expliquer en anglais. Bon, voilà. Maman de bébé qui va faire ça en anglais. Parce que notre anglais, là, c'est encore... Ah, si j'ai envie d'allumer ça, mais il y a les enfants là, putain. Ah, merci beaucoup, mon grand frère. Yeah. Yeah. Ludovic André Zoué. Voilà tout ce qui est resté. Ça, je peux faire encore d'autres mélanges avec ça. Je peux faire encore d'autres mélanges, mais moi je préfère que ça soit vraiment naturel. Je préfère que ça soit vraiment naturel. Et voilà. Ben, il y en a qui sont forts, hein. Il y en a qui sont forts aussi, hein, de manger les gingembre la crue, hein. Ça pique, hein. N'essaye pas comme ça, là, ça. Ça pique trop. J'aime que ça pique. Tu peux mettre un peu de miel. Tu peux un peu de citron. Tu vois, si tu peux pas, tu n'as pas le mixeur, quoi. Pour ceux-là qui n'ont pas de mixeur, donc tu coupes le citron, tu bois un peu le jus de citron. Tu prends l'ail. Prends l'ail, tu dépuches. Ah ouais, le gingembre là, ça fait transpirer. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est l'ail. C'est la démonstration quand tu veux faire ça si tu n'as pas le mixeur. Si tu n'as pas le mixeur, donc tu prends ça. Voilà. Oh, le citron. C'est pas grave.
Pour ceux-là qui n'ont pas le mixage, voilà. Les quatre machins donc. Voilà, donc tu as l'ail, tu as le gingembre, tu as du citron ici, et tu as le miel. Là, je vais le faire naturellement et tout. Donc tu manges d'abord le gingembre, voilà. C'est pas facile, les gars. Tu prends l'ail. Mario. Prends le citron. Prends un peu de miel. Voilà. Tout est marché. Donc là, je suis calé là. Là, je suis calé. Voilà. Donc essayez chez vous. Essayez de prendre trois choses là. Citron, l'ail, gingembre. Même aux enfants, consommer sans modération. Et avoir un peu de miel. Bon, je vous dis au revoir. Bye bye. Ça pique là. Faut que je prenne un petit repos là. Bye bye. Singula, comme un zaloutan, une amatasse. Singula, comme un zalouvas, namuru boine. Singula, comme un zaloulin. Une autre.